Hello tout le monde les amis, c'est Gillian, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau épisode de notre Survive 9. Les amis, écoutez, on se retrouve voilà directement. J'ai eu énormément de nouvelles. Alors ces nouvelles c'est quoi? J'ai regardé vos commentaires par rapport au dernier épisode et vous avez été très nombreux à me proposer des conseils par rapport à comment on pourrait espionner, écoutez, ce qu'il y a dans la base. Vous savez, dans notre ancienne base, là où les animatronics ont repris leur droit. Super, et en plus il pleut maintenant. Bah c'est magnifique, allez, bah super, on va faire le déplacement lag. Waouh. Bon, non, ça va un peu mieux quand même. Donc bon, les amis, écoutez, vous m'avez... Golden est là, ok, bon. D'ailleurs, on va parler un peu de Golden, les amis. Vous avez été très nombreux à me proposer des idées, à me dire, mais pourquoi tu n'y vas pas le jour et tu poses des caméras pour regarder ce qu'il se passe, écoute dans la base. Et justement, je pense que c'est une très bonne idée et c'est ce qu'on va faire. Mais pour ça, les amis, il faudrait que j'arrive à entrer sans me faire opérer, parce que même si les animatroniques sont out, je pense qu'ils arriveraient à me voir. Et sachant qu'il y a Circus et il y a Circus Baby qui est juste là avec Premangle et Foxy, on va essayer de retourner. Regardez, on va aller là, on va activer. On va récupérer de la redstone, voilà, et on va essayer surtout de réactiver pour récupérer. J'aimerais bien, ok, j'aimerais bien récupérer du fer en fait. C'est ça qui m'intéresse énormément. Mais le truc, c'est que je sais plus comment on fait. Ah voilà. Alors c'est slash, c'est un O or et on marque iron. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Ok. Bon, sinon on fait comme ça, les amis. Donc là, on va l'activer et les amis. On va essayer de récupérer un maximum de fer. Je vais la laisser tourner un petit moment. Dans tous les cas, donc là, le seul truc qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se déplacer dans la base. Alors là, les amis, par contre, j'ai vraiment extrêmement peur. C'est pour ça que je me suis, comme vous pouvez le voir, transformé en chauve-souris. Parce que au pire, les animatronics ne pourront pas me voir énormément. Les amis, j'aimerais bien récupérer 2-3 choses que j'ai dans la base. Et c'est plutôt compliqué. Il faut vraiment pas qu'ils me voient, parce que le problème, c'est que s'ils me voient. Ça pourrait être vraiment problématique. Bon, déjà, on est passé sur le côté. Ouais, j'ai dû faire quelque chose juste là. Ok, donc on va. Ok. Il y a. On entend Circus quand même. Donc on va bouger, hein, les amis. Hein, voilà. Je vais juste récupérer ce qu'on a là. Et les amis, on va pouvoir y aller. Ok, ouais, je pense que c'est largement assez. On va l'arrêter. Hop. On récupère du charbon et on récupère le reste de fer. Et les amis, on y va. On va récupérer tout ça. Et les amis, ce qu'on va faire, notre but aujourd'hui, ça va être. Écoutez, de commencer la nouvelle base et surtout de sécuriser l'ancienne en rajoutant des caméras, voilà, avec un nouveau contrôle panel qu'on pourrait voir directement dans notre base. Et les amis, vous avez quelqu'un m'a dit quelque chose de très très intéressant. Il m'a dit, à la place de faire une porte comme tu fais d'habitude, pourquoi tu ne fais pas juste un trou de 1 sur 1, au moins que tu passerais et tu rentrerais. Simplement grâce à en te transformant en chauve-souris. Et je pense que c'est une très très bonne idée. Donc c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Voilà, donc ça sera le chemin pour entrer dans la base. Il est bien caché, au pire je mettrai carrément une porte. Vous savez, une fameuse trappe de Carpenter que je mettrai juste devant. Et ça, qu'on mettra avec un peu de dirt. Et ça pourra faire extrêmement joli. En tout cas ça sera extrêmement caché, c'est ça qui est bien. Bon, je vous rappelle le craft encore une fois. Voilà, c'est du fer, des sticks, un bloc de... des blocs de redstone du coup, et des renforced glass pane. Donc du coup les amis, je vais crafter tout ça. Et écoutez, on se retrouve directement après, dès que j'ai tout. Les amis, je suis en train de regarder les commentaires de la dernière vidéo et j'ai un commentaire de Tizzy et Gaspard qui me dit souviens-toi quand tu as fait ta vidéo, ton test sur la map de FNAF 1, souviens-toi, Golden Freddy ne t'avait pas attaqué. Donc je pense que les amis, peut-être Golden Freddy veut nous aider pour peut-être empêcher que justement Night Marionette et Circus Baby veulent nous attaquer, enfin je ne sais pas, mais peut-être qu'il veut nous aider. Donc ça, bon, c'est une hypothèse bien sûr. Donc les amis, voilà, en tout cas j'ai crafté les security caméras, il me reste quelques fers encore. Donc les amis, vu que la nuit est là, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. On va déjà se transformer en chauve-souris. Et les amis, faudrait vraiment qu'on aille faire. J'aimerais bien aller faire un tour. Et du coup, Golden Freddy est juste là. Et je sais vraiment pas ce qu'il veut de nous en fait. Il veut nous aider, ou s'il est gentil, ou s'il est méchant. Regardez, il est là. On va le voir un peu. Bonjour. Bonjour, toi. Regardez, mais il est vraiment gentil. Il ne fait rien du tout.
Il sait que c'est nous, hein. Regarde, regardez, on va se transformer juste devant lui, on va voir. Bon, du coup, Golden a l'air vraiment, vraiment gentil, il ne fait rien du tout. Bah ouais. Mais du coup, j'entends un enfant dans ta, dans toi, petit Golden Freddy, je ne sais pas ce que tu nous fais. Mais bon, en tout cas, voilà, apparemment, il est gentil, donc peut-être qu'il veut nous aider. Ou tant, c'est plutôt l'inverse, et il attire carrément, il montre aux animatroniques qu'on est là. En tout cas, ça, j'ai vraiment peur. Donc les amis, là, ça va être vraiment compliqué. C'est pour poser des caméras. À mon avis, on va passer par ce côté-là, regardez. Les amis, on va essayer de poser une caméra juste ici, en espérant ne pas se faire tuer, ça serait bien. Est-ce que j'ai une épée au cas où? Non. Ok, ouais, non, c'est mort. Il y a Foxy qui arrive, les amis. Il y a Foxy qui arrive. Moi, je pars. Hein. Je suis désolé, mais c'est mort. Je peux pas rentrer. Il faudrait que je rentre deux jours. À mon avis, deux jours, ça pourrait être possible. Mais Night Marionette, souvenez-vous, bouge le jour. Donc ça me fait vraiment peur. Donc les amis, il faudrait qu'on arrive à mettre des caméras. Mais du côté de la scène, en fait. De la cage de Foxy et Moingle. Bon, il fait jour, les amis. On peut y aller. Donc c'est go. On peut y aller, écoutez. On va poser nos fameuses caméras. Donc les amis aussi, la dernière fois je vous avais posé une question, je vous avais demandé, écoutez, sur quel jeu vous voulez me voir faire une série ou autre. Et les amis, oh là, j'ai du mal. Ah mon dieu, j'étais en train de mourir, ça va pas. Bon, du coup, je vous avais demandé sur quel jeu vous voulez me voir, et vous êtes très nombreux à me demander de faire des vidéos sur Fortnite, sur Ark et sur je ne sais plus. Ouh là. Oh, il m'a fait flipper. J'avais oublié qu'il était inactif. Oh, il y a Circus, les amis. Il y a Circus quand même. Hein. Les amis, on va poser une caméra ici. Regardez, on va casser celle-là. On va casser. Ah oui, mais je peux pas la casser, c'est vrai. Bon, ça, par contre, les amis, je sais vraiment pas ce que c'est. Hein. C'est vraiment chelou. On va poser une caméra ici aussi. On va en mettre une devant le portail du Nether. Et là, je ne sais pas ce qu'il y a. D'ailleurs, il y avait un trou dans le sol. C'est plutôt bizarre. Est-ce que. Et ouais, Pingouin n'est plus là, hein, les amis. Ça, les amis, ça me plaît bof, hein, que Pingouin ne soit plus là. Enfin, bref. On pose une security caméra ici. Et j'aimerais bien en poser une dernière dans le sol. Enfin, dans le sol. Dans le. Ah, on va passer derrière ça. À mon avis, elle est éteinte. Et là. Oh, les amis, j'entends avec marionnette. Oh oui. Oh, j'avais oublié que j'avais mis du fer à cuire. Oh oui. Oh, les amis, super. Bah voilà, bah au moins on se remet bien. Oh, j'avais laissé tellement de choses. Oh les amis, je prends plusieurs choses. Et écoutez, on se retrouve à la maison. Bon les amis, j'ai tout, ça par contre, les amis, on va mettre une caméra juste ici, regardez, je sais vraiment pas ce que c'est, on dirait un espèce de portail, c'est extrêmement bizarre, et les amis, on va rentrer chez nous, et on va voir si les caméras marchent, et écoutez les amis, comme je vous ai dit dans cet épisode là, on va vraiment se concentrer à se faire une base, vraiment bien, bien sécurisée, mais quand je vous dis très sécurisée, c'est que, vraiment, les animatroniques ont vraiment du mal à rentrer chez nous. Et là je pense que ça va être vraiment le cas. En tout cas voilà, j'ai pu ramasser vraiment pas mal de choses. Je prends tout ça, ah oui on est vraiment bien. Donc les amis on va commencer, je pense voilà, faire la base ici dans cette zone là, regardez. Donc on aurait une partie de la montagne qui serait à nous. Et je pense que c'est une très bonne idée. Bon par contre du coup on va faire ça, on va descendre un peu. Parce que j'aimerais bien faire quelque chose de plutôt joli. Enfin bon, ça les amis je commence et je vous retrouve après. Bon les amis voilà, on se retrouve, ça ressemble à peu près à ça. Donc c'est encore petit, donc on va pas se cacher, c'est ouais voilà, c'est vraiment petit. Il faut que je rajoute, écoutez, quelques one way glass que j'aimerais bien rajouter, j'aimerais vraiment bien en rajouter ici, regardez. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa d'avoir des one way glass un peu partout sur la façade de la colline. Ça pourrait être vraiment très très sympa. Regardez, au moins ça cacherait un peu tout et ça serait vraiment sympa, regardez, c'est plutôt cool. Là on va en mettre une ici. Ah j'en ai plus. Bon c'est pas très très grave au pire. Donc voilà, ça va être la base, notre base secondaire au cas où si on se fait attaquer. Voilà, donc c'est dans les forces majeures comme celle-ci.
vu que on s'est fait raid par les animatroniques. Ah, j'ai plus de pièce chèvre qu'elle a cassé pendant que je minais. D'ailleurs, il faut que je m'en refasse une. En plus, j'ai vraiment l'impression que les outils cassent deux fois plus vite. Je crois que c'est à cause d'un mod qui rajoute ça, mais c'est abusé. Ils fondent, limite, ils fondent les outils, quoi. Enfin bon. Regardez, je vais poser un peu tout ce que j'ai là en attendant. Mais bon, les amis, déjà c'est plutôt cool parce qu'on va vraiment avoir une base vraiment très très sécurisée que les animatronics ne vont pas trouver. Et ça c'est le plus important. En plus, regardez, on peut rentrer et eux, ils ne pourront pas rentrer vu qu'on est à... On a une taille plutôt grande. Ils ne pourront pas rentrer là. Vu qu'ils font quoi, 3 blocs de haut je crois. Si je ne me trompe pas. Ah bah voilà, on commence à arriver au niveau des vitres. Ça c'est plutôt cool. Regardez. Donc là, franchement, quand on va avoir toutes les vitres, ça va... Mais elle est tellement stylée. Regardez. Ah ouais, on a vraiment une belle vue. Là, par contre, il faut que je fasse attention vu que c'est du sable. Je vais refaire des one-way glass et je vais finir cette baie vitrée là. Bon, finalement, j'ai pas pu. J'en ai pas recrafté des masses, mais bon. Regardez. Est-ce que vous voyez du vert, vous? Voilà. Dites-moi si vous voyez du vert. Moi, perso, je n'en vois pas. À part un peu là. Mais en tout cas, voilà. Les amis, les vitres sont posées. Mais là, les amis, je vais vous montrer. Regardez de l'intérieur à quoi ça ressemble. On a vraiment une vue de fou. On voit vraiment, en tout cas, les alentours. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pendant que Golden est toujours là-bas. Enfin bon, les amis, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on est en train de faire cette nouvelle base. Parce que dans tous les cas, je me dis que si vraiment on ne peut pas retrouver l'autre, ça serait vraiment embêtant de virer tous les animatroniques, ça va être vraiment compliqué. Parce que je vous rappelle qu'ils me one-shot tous. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et vous avez été très nombreux à me dire, vas-y à l'arc et autres. Mais j'ai pas forcément envie d'y aller à l'arc. Parce que dans tous les cas, même si je vais à l'arc, dans tous les cas, ils reviendront. Et ça, j'ai un peu peur par rapport à ça. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est que vraiment cette base, on va refaire un peu ce qu'il y a dans l'autre. Donc on va rajouter, vous savez, le matériel d'électricité et autres. Enfin bon, donc ça va être une petite base comme l'autre. Enfin, ça va être une petite base par rapport à l'autre. Mais en tout cas, elle sera limite plus armée que l'autre. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que du coup, on va pouvoir faire énormément de choses par rapport à ça. Attendez, je vais juste poser, voilà, deux, trois torches pour éclairer tout ça. Mais voilà, en tout cas, on va décorer tout ça. Et les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez, voilà, de l'avancement de cette base. Parce que clairement, je pense que ça pourrait vraiment... Déjà, ça nous fait du bien de changer un peu d'espace. Il faut prendre les bons côtés des choses, on va dire. Enfin bon, voilà. Donc en tout cas, on va avoir une base, les amis. Mais ça va être vraiment quelque chose de fou, avec des écrans sur les murs et autres. En tout cas, j'ai vraiment hâte de bien bien la commencer. Mais pour l'instant, j'ai tout transféré ici pour nous caler tranquillement. D'ailleurs, les amis, écoutez, quelqu'un m'a laissé un commentaire. Il m'a dit, c'est une idée vraiment pas débile, mais il m'a dit, mais pourquoi tu vas pas dans la base le jour pour aller récupérer Pingoui? Mais les amis, je veux bien. Mais le truc, c'est que Night Marionette, comme je vous ai dit, bouge le jour. Donc, vu que Night Marionette est située à côté de Pingoui, je peux pas rentrer sans me faire déglinguer par Night Marionette. Donc, les amis, c'est vraiment compliqué. C'est pour ça que je vous dis que, pour l'instant, Pingoui, on peut pas l'aider. Et ça me fait vraiment mal au cœur parce que j'ai envie d'aller le sauver. C'est vraiment dommage. Enfin bon, et regardez, d'ailleurs les amis, on va aller poser notre radar portable. On va le poser, regardez, on va essayer de le poser dans un arbre ou quoi, bien caché. On va le poser là, voilà, juste ici. Au moins les animatronics ne voient pas. Oh, il est bien caché, moi je trouve qu'il est bien caché. Enfin bon, on le pose au moins, on saura si des animatronics sont pris ou pas. Donc les amis, là je suis en train de faire, comme je vous ai dit, donc le déménagement de tout ce que j'ai. Donc comme vous pouvez le voir juste ici. Je vais prendre carrément, bah je vais tout prendre, ma table de craft, voilà, je prends tout, je prends même le petit coffre. Et le seul truc qu'on va laisser ici, enfin le seul truc qu'on va faire, c'est qu'on va refermer tout ça grâce à deux blocs au cas où. Parce qu'on ne sait jamais, moi je préfère garder des sécurités. Enfin bon, voilà, ça ressemble à peu près à ça. Donc les amis, on re-rentre à l'intérieur. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais crafter, écoutez, je vais crafter ce qu'on appelle des trappes, mon dieu. Oh, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, des trappes de Carpenter's Block.
justement être caché. Donc pour ça les amis, il nous faut regarder comment on appelle trap, je ne sais plus. Attendez. Voilà, regardez, c'est juste là. Et moi ce qu'il me faut c'est des Carpenter Hatch. Et pour les Carpenter Hatch, il me faut des Carpenter's Block. Et pour les Carpenter's Block, je ne sais plus comment on les craft. Ah oui, si, je crois que c'est du bois et des sticks. Et j'ai pas de bois. Voilà, j'adore. Et en plus là, voilà, j'ai fait n'importe quoi. Ah oh, bah on va refermer, de toute façon il y a rien dans ce coffre. Enfin bon, il me faut du bois et du bah écoutez, j'ai tout récupéré, j'arrive. Au moins c'est cool habiter dans une forêt quand on a besoin de bois, c'est plutôt cool. Bah écoutez, regardez. Hop, voilà, je récupère tout ça. Et au moins on va crafter ça rapidement. De toute façon, il m'en faut pas énormément. Et de façon, dans tous les cas, on est plutôt bien. Franchement les amis, j'ai vraiment envie de retrouver Pingouin. Il me manque un peu, je vous l'accorde. Et ça me fait vraiment mal au cœur de le laisser tout seul, sachant qu'il a besoin de nous. Voilà. Et ça me fait mal au cœur. En plus je sais que vous l'aimez bien. Donc à ce niveau là ça me fait un peu peur. Voilà. Donc voilà, il nous faut ça. Et ensuite on craft une petite trappe. Et c'est parfait. Bah écoutez, regardez, on va la mettre juste ah, est-ce que je peux la mettre là? Oh, je peux pas la mettre là. Ah si, non. Il faut que je la mette peut-être de l'autre côté, attendez. Je vais, hop, peut-être ici. Ouais, je crois que c'est, non, je peux pas la placer là. Vraiment? Non, non. Non, alors là par contre si on peut pas, je suis vraiment pas très très bien. Je suis vraiment pas très très bien. Oh non. Sinon les amis, regardez, j'ai crafté un vanishing block. Voilà, on a juste à rajouter une magnifique dirt qu'on va prendre juste là, hop. On va la poser juste ici. Et on va rajouter notre petit player sensor. Et là, normalement, quand on passe... Non, toujours pas. Oh mon dieu, j'ai du mal, hein. Oh les amis, voilà. Au moins qu'on arrivera, regardez, en chauve-souris. Hop, on passe là. Et on rentre directement tout seul dans la base. Et c'est caché, bah voilà. Les amis, c'est nickel. C'est nickel comme ça, donc voilà. Les amis, bon, c'est plutôt cool. Moi, je suis plutôt content de ce qu'on a fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter notre lit. Le lit, j'aimerais bien l'incruster. Pas l'incruster dans le mur, mais... Enfin... Faire quelque chose de vraiment vraiment stylé. De toute façon, dans tous les cas, les amis, cette base va être vraiment importante pour nous. Parce que c'est cette base là qui va faire en sorte qu'on se déplace. Enfin qu'on arrive à gérer les animatronics. Et ça me fait vraiment peur. Parce qu'écoutez, ils sont vraiment de plus en plus forts. Et c'est plutôt chaud. Donc voilà les amis, pendant quelques épisodes on va être vraiment comme ça à farmer un peu. De toute façon ne vous inquiétez pas, l'histoire va évoluer. Mais en tout cas voilà, ça va être un peu comme ça. Mais j'espère que voilà, ça vous fait plaisir de voir qu'on avance vraiment dans l'histoire. Est-ce que les amis, on se mettrait des vitres ici? Je pense que ça pourrait être pas mal aussi, ça pourrait être pas mal décoratif, mais j'aimerais bien voilà un côté on voit mais pas trop quand même, parce que j'aimerais quand même avoir un certain côté, comment dire, qu'on soit caché quand même, parce que j'ai pas envie de voir des animatroniques tout le temps non plus, hein voilà, c'est un peu le problème. Bon, en tout cas les amis, j'aime tellement tourner cette série, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je m'amuse énormément à la tourner, c'est vraiment vraiment très très cool et j'aimerais énormément vous faire des lives dessus, mais malheureusement vous savez que ma connexion ne le permet pas, donc c'est un peu dommage, mais en tout cas les amis, j'ai vraiment hâte d'avoir une nouvelle connexion pour vous faire tellement de lives dessus, ça me ferait kiffer. Bon les amis, j'ai un peu avancé, du coup regardez, la nuit est tombée et les amis, j'ai vraiment pas mal avancé, c'est plutôt cool, c'est plutôt joli. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté des blocs au niveau du toit, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs j'ai deux Carpenter's Hammer, j'en ai crafté deux, c'est très intelligent. Donc le nouveau bloc que j'ai posé, c'est de la Stonebrick que j'ai crafté avec Shizel, que vous savez qu'on peut changer l'apparence d'un bloc. Donc les amis, j'ai fait ça, j'ai réalisé ça, c'est plutôt joli. Donc ici c'est notre partie avec notre lit, donc un lit pour Pingouin bien sûr quand il sera là, et un lit pour moi. Ici on a notre fameux armor stand où on peut poser notre armure, voilà, avec une petite lampe très sympathique. Là on a les rangements avec les coffres qui sont juste ici, là il faut que je rajoute des escaliers de Carpenter, voilà. Et là regardez, bah du coup on a une très très belle vue, et les amis d'ailleurs j'ai pensé à quelque chose, réfléchi à quelque chose. On n'est pas du tout autosuffisant au niveau de la nourriture. Donc du coup à mon avis on va se crafter. Enfin pas on va se crafter, mais on va se faire plus tard dans cet abri là un endroit bah, par exemple pour
faire pousser des légumes ou autre. Je pense que ça pourrait être vraiment bien. Parce qu'au moins, ça pourrait nous habituer, ou même faire des petits rangements et autres. Ça pourrait être plutôt cool. Je vais juste vous montrer, les amis, regardez l'extérieur à quoi ça ressemble, pour vous montrer que rien de spécial n'a enfin, que des choses ont changé, mais que ça se voit pas trop. Donc, comme vous pouvez le voir, on a un peu de lumière qui sort, mais c'est pas flagrant. Et ici, bah voilà, rien à changer spécialement. Là, il y a que des vitres. Donc là, c'est là où il y a toutes les vitres, comme vous pouvez le voir quand je tape dessus. Regardez. Et là, du coup, bah voilà, il y a que des vitres. J'ai rajouté une couche de terre au niveau du toit, parce que quand j'ai décoré, bah du coup, c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, voilà, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Pour le prochain épisode, bah écoutez, je ne sais pas ce qu'on va faire. On va sûrement encore avancer un peu sur cette base avant d'aller chercher Pingoui. Donc bon, les amis, dans le prochain épisode, on finit. En tout cas, on avance sur la base. Et pour le prochain, bah écoutez, on essaiera d'aller attraper, enfin de récupérer Pingoui. Mais en attendant, les amis, on va regarder nos caméras qu'on a posées. What the fuck? Voilà, non? What the fuck? Je suis bien moi? What the fuck? Attendez. Pourquoi? Non, me dit. What the fuck? Il y a des caméras qui ne veulent pas marcher, les amis. Donc là, apparemment, tout va bien pour l'instant. Enfin, je ne vois pas de quelque chose de spécial. Il y a des caméras qui ne marchent plus, les amis. What the fuck? C'est quoi ce bug? Enfin bon, les amis, merci à tous de m'avoir suivi pour ce nouvel épisode de Survie FNAF. Écoutez, pour le prochain épisode, bah, vous savez ce qu'on va faire. Mais bon, en tout cas, voilà, si c'est un plaisir, voilà, de vous faire ces épisodes. Donc merci de me rendre. C'est écoutez, en vue et en like, c'est juste incroyable. À chaque fois qu'un épisode sort, les amis, on finit en tendance, c'est juste fou. Je vous remercie énormément. Donc les amis, n'oubliez pas, bien sûr, voilà, de vous abonner si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et de la liker, ça me ferait énormément plaisir. Merci à tous, les amis. On se retrouve pour un prochain épisode. C'était Gillian. Allez, bye tout le monde.